douceur, mais vous inquiétez pas, je vais changer ma chaîne YouTube. Bon, ça fait que là, les gars, comme vous avez vu dans le titre, SNL a gagné. Et en fait, je prends que ma mère, je vais faire genre, tu vois que la SNL a encore perdu. Et que ça me saoule et tout. Ça fait que les gars, go pour ce prank. Je veux que vous me pétez la barre des likes, mettez-moi des commentaires, tout ça, vu qu'après on va sur Fortnite. Bah, je vais voir si ma mère veut me laisser aller dessus ou pas, faire un live. Bon, allez les gars, go, maintenant on y va. Je vais mettre la personne qui est sur mon live. Ouais, j'irai voir tout comme. Bah, attends. Très bien. Quoi? Un jour, on m'a vu à la télé. Ah ouais? Ah, désolé, je peux pas voir tout commentaire. Ouais, bah, j'essaie de voir. Ça fait que c'est un prank, les gars. Je vais essayer de cacher la caméra. Ah, punaise, elle a fermé. Ah, tiens, pourquoi tu sonnes, bordel, putain? Ah, tu prends du défi, non? Bah non, je savais pas que tu les avais. Bah non. De prendre yes, yes, ça marche, ça marche, ça marche. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et combien ils ont perdu? 3-1. Mais non, je rigole, c'est un prank, la caméra est juste là. C'est un prank, en plus, regarde, on est en direct. On est en direct, les gars, c'était un super prank. Franchement, après juste un match. Bienvenue aux deux personnes qui sont en live. Ça fait que les gars, j'ai peut-être. Ah merde, oui, mais j'ai oublié de mettre mon snap dans la description, c'est chiant. Ton film, il se termine à quelle heure? Moi, j'aimerais bien faire un live sur Fortnite après. Si ça te dérange pas. Du coup, aujourd'hui, j'ai même pas pu faire une partie. Il a que Evan qui en a fait une. Ah, c'est bon, les gars. Duke Jacoby, tu vas faire quoi comme prank? Officiellement décédé. Sans vouloir t'offenser, voilà une excellente nouvelle. Non, non, rassure-toi qu'il repose en paix. Wesh, il est plus heureux que moi de plus jamais revoir. On joue ensemble, Adrien. Ah oui, ouais, bah, Kiki, je sais pas, ma mère, elle sait pas. Tiens, tu veux bien mettre ton mot de passe de la tablette pour que j'aille sur Snap, please? Ça fait que les gars, je vais aller sur Snap, je vais vous dire mon Snap. Wesh. Ah, c'est merde. Ça fait que Timozor, est-ce que t'as mon Snap? Pourquoi? C'est quoi tout ça? Attends, Timozor, je te le donne. Parce que ma mère va me le donner là. Ah, 2 likes, merci les potes. Merci, merci. C'est grâce à vous que j'ai été libérée. Merci beaucoup. C'est grâce à elle. Merci sincèrement. Et pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolée pour ce que je vous ai fait endurer. Elle est adorable. Vous êtes adorable. Okay. 3 likes. Merci les potes. Mettez un peu plus de likes comme je vous ai dit. Pétez-moi cette barre de pouce bleu. Où ton père? Il est encore dehors, il fume sa cigarette. Comme d'hab. Et le Jérôme, il nous a vu à la télé. Jérôme. Bah oui, Jérôme, le frère de. Ah, frère de Geoffrey. Ouais. Ah bon? Ouais. Joli prénom, très jolie fille. Moi, c'est Jacques Rémy. J'ai envie de faire votre connaissance. Alors, c'est quoi votre nom de famille? Alors, attendez, les gars, je vais vous donner mon Snap. Ma vie, t'es à dîner? En direct. Ah, ouais, ça peut se faire. Vous me prêtez un peu d'argent? Autant que vous voulez. Pourquoi ton Snap? Non, mais j'ai un pote, il veut mon Snap. Ouais, mais il donne pas à tout le monde.
Et ça me fera plus de l'eau sur ce stade. Il reste que quelques heures avant que Matine repasse cette porte. Et est-ce que t'as réfléchi à ce que t'allais lui dire? Ou ne pas lui dire? Écoute, Bowser, ce que t'as fait, c'est de l'idiot. Il réfléchit et... Allez, gars, regardez. Juste là, on va au moins chat pépite. Après avoir décrypté tes messages à Léana, on va le voyer. J'en ai peut-être lu quelques-uns. C'est vrai? Difficile de ne pas le faire. Choubinou? Et les passages qui m'ont pas donné envie de vomir étaient plutôt sympas. Donc tu vas pas me dénoncer? J'ai pas besoin de le faire. Parce que tu vas pas être démasqué. Donne-moi ton téléphone. Regardez les amis. Je vais juste là, mon chat. Mieux crypté. Eh, fais gaffe à la caméra. Ce qui veut dire que cette dis bonjour. Dis bonjour. Mais oh, vous avez vu, mon chéri, même pas poli. Ça fait que mon snap. Timozor, t'es là? Timozor, t'es encore là, j'espère. Trop mignon. Merci, Timozor, franchement. Eh, mon petit Timozor, il m'a dit trop mignon, le chat. Tu peux me mettre mon patin, s'il te plaît? Il est devant. Non, l'autre. Ça fait que Timozor est... Est-ce que t'es prêt pour que je te donne mon snap? T'as quoi marqué, tout ça? Je te le donne. Ah, Timozor. Dis-moi si t'es prêt. Si t'es prêt, dis-le moi dans les commentaires. Ça fait que Timozor, mon snap, c'est A Quentin 13. J'ai pas entendu. Bah alors, Doudou. Regarde. A Quentin 13. Attends, je vais te l'envoyer. Allez. Je vais le noter. Et appuie sur le bouton. J'ai regardé où les anatomies. Mmh. Ah bah, j'ai pas l'anatomie. Moi, je m'en fous très anatomique. Moi, c'est pas daube. Et tout Fortnite, c'est pas de la daube? Bah non. Timon, c'est... Parfait, il m'a demandé. J'ajoute à la vie. Ah bah c'est bien pour faire des appels cam. Faites une pause pétillante en regardant cette série avec les boissons sans Pellegrino au jus d'agrumes. J'ai envoyé deux messages à ton père et ma parole.
avion décolle dans 20 minutes. Qui veut que je t'emmène à l'aéroport? Ah oui, il ressemble à ça. Vous n'avez pas fini? Je suis en train de faire la finition. Alors accélérez un peu le mouvement, une équipe avant cette prothèse. Oui, monsieur. J'ai une question. La fortune. Vous aviez. Ouais, Timosaur, ça va? Ouais, c'est vrai, je sais, mais sois sympa, garde ça pour toi, ok? Les êtres humains. Pourquoi c'était retransmis à la télé? Hein? C'était retransmis à la télé? Ça, Timosaur? Tranquille, la famille. Ah, vous avez là les escaliers. Donc, là, sur quoi t'es sur Fortnite? C'est la personne qui se mon live. Tu vois, tu mets s'il te plaît, les commentaires, tu vois. Maman, quoi? Bienvenue à toi, la deuxième personne qui sont en live. Regarde, ça je crois que c'est le nouveau truc qui est annoncé, trampoline jump. En fait, je préfère que c'est un truc de trampoline. Ouais, mais c'est où alors? Je sais pas. Tu joues pas à Fortnite? Timothée, pour l'instant je peux pas vu que ma mère regarde la télé. Yo Roro, show 59, comment ça va, frère? C'est un ami sur la play, voilà. Oh, vas-y. T'as pas de frère, t'as qu'une sœur, mon cher. Oui, mais c'est une expression. Arrête, ça a l'air trop bien. En plus, là-bas, je peux tenter backflip. Tu en as un aussi? Bah oui. Ça va, tranquille. Ok, les gars. C'est ici que Prior est censé rencontrer son contact. Donc, en attendant qu'elle arrive, on n'a qu'à faire une pause, se détendre et écouter mon pote Willy. Ouais, génial. Tu manques le sang? Je me souviens pas avoir vu James Bond faire un truc comme ça. Très bien. Premier cours de surveillance.
si l'équipe adverse te repère, c'est foutu. Tu dois évaluer ton entourage et te fondre dans le décor. Évaluer se fondre dans le décor, PG. C'est Jack qui t'a appris tout ça. En partie. Salut Robo, moi aussi je suis un ennemi sur PS4. Elle a été trahie, mais c'était une grande espionne. Elle envisageait toujours les différentes options et anticipait toutes les possibilités. Mon pseudo PS4 Rouro, c'est Sébastien Pastoc. Ouais, mais c'est qu'à la 7ème que t'as vraiment commencé à écouter. Tu vois, le truc avec Bowser, c'est que Jack est à Max ce que Mac est à Bowser. Tu viens de faire une analogie. J'en sais rien, tu crois? Enfin, tout ce que je veux dire, c'est que Max se sent responsable de la sécurité de Bowser. Il a passé son temps à essayer de le protéger de ce monde, et maintenant, il y est confronté. Mac fait peut-être comme si c'était cool que Bowser soit sur le terrain, mais en réalité, je crois qu'au fond de lui, ça l'angoisse carrément. M, j'ai repéré les clients. À trois heures pour toi. Robe noire et manteau bleu. Je sais que je débute dans ce boulot, mais même moi, je vois que cette femme agit de façon assez louche. Ouais. Louche tient pas devant un tribunal. A-t-il eu une vidéo prior donnant des infos à son contact? En tout cas, elle est peut-être en train de trahir, mais c'est pas une pro. C'est chiant qu'on ne peut pas être remboursé comme les PC. Comment ça? Être remboursé comme les PC. Ou bien c'est quelqu'un qui l'appelle. On dirait que les infos de la CIA n'étaient pas exactes à 100%. Rien semble être aussi surprise que nous. On doit entendre toute cette conversation, ok? Ouais. Alors, c'est bon, vas-y, là, mets-toi un truc. Pirater une ligne terrestre prend des heures, Jack. Je peux pas. Ouais, si tu le fais numériquement. Bonjour. Combien pour la radio? 1€. Tenez. Merci. Les danses, les skins, on a mis des gens sur tu peux te faire rembourser 3 fois. Bien avant l'arrivée des ordi. Sur PC. Ah ouais. T'as pas de télévision? Bah si, j'en ai une dans ma chambre, mais mes parents veulent pas que je monte ma chaîne. Là-bas. Je sais pas pourquoi mes parents veulent pas. Timio, Ah ouais, mais ils vont devoir rembourser le camion là. Il n'y a pas de blessé, mais mon ordi est totalement foutu. On a perdu la preuve que Prior est une terroriste. Je crois pas qu'il vienne nous remercier de le ramasser.
sauvé la vie. Bien sûr qu'ils pensent qu'on était là pour faire sauter une bombe dans leur capitale. Ils pensent qu'on est des terroristes. J'en ai peur. Restez où vous êtes. Pas en l'air. Bon bah, ça va encore, hein. Ouais, courez. Rappelle-moi pourquoi on va pas voir les flics pour leur dire la vérité. Enfin, on n'est pas des terroristes, on est des agents secrets américains. Opérant dans un pays étranger sans autorisation. Ouais, mais ce pays est notre allié. On ne doit pas espionner ses alliés, donc même si on pouvait les convaincre, on n'est pas des terroristes, on est ici illégalement et on finirait en prison. Hé, Bowser, je sais que t'as pas signé pour ça, mais pas de panique. Je suis presque sûr qu'on s'en sortira au final. Presque sûr. Hé, Bowser, relax, mon pote, relax. Ici Dalton, 7652 Landrum. Je viens d'apprendre qu'il y avait eu une explosion à Amsterdam. Dites-moi que vous n'y êtes pour rien. Ah, tout va bien, tout se passe très bien. On a eu la preuve que Prior travaillait avec des terroristes. Il y avait seulement une petite bombe dans son sac qui a un peu explosé et qui a détruit la dite preuve et plusieurs bâtiments autour et tout le monde nous met ça sur le dos. On est loin de tout se passe bien, Jack. Vous êtes sur le point de vous trouver au cœur d'un incident diplomatique majeur. J'enclenche le protocole d'urgence. Je vous envoie les coordonnées d'exfiltration. Le point positif, c'est qu'on a la confirmation que Prior a trahi. Je crois pas qu'ils aient bien vu nos têtes. Oh, je dirais qu'ils les ont vraiment très bien vues. Le renseignement hollandais vient de lancer un avis de recherche national sur quatre suspects qui, curieusement, vous correspondent. Vous savez ce qui va se passer si vous êtes pris en train d'opérer sur leur sol? Un truc moche, j'imagine. Bien pire. Allez au point d'exfiltration en vitesse. Aujourd'hui, à 15h27, heure locale, ces quatre suspects ont fait exploser une bombe à Castle Gordel. Alors, je veux savoir qui ils sont, pour qui ils travaillent, comment ils sont entrés dans le pays, et je veux savoir pour hier. Bien sûr. Ils n'ont pas dans nos fichiers, ni dans son Interpol. Lancez une reconnaissance faciale sur la vidéosurveillance de la ville. On dirait qu'ils sont partout. Ok. Je pense que c'est le cas. Restez groupés et baissez la tête. On va où maintenant? Phoenix a une planque où on peut se cacher. Ça prend des semaines à mettre en place. On ne fait passer qu'une journée ici pour observer. Riley. Oui, enfin, pas à leur position actuelle, mais j'ai des images de leur entrée dans le pays ce matin. C'est un petit aéroport à Schiphol. Bon boulot. Bon, écoutez-moi attentivement. Je veux une couverture pour une exfiltration en hélico. On n'aura pas à la maintenir indéfiniment. Juste assez pour sortir Mac et son équipe de là et les ramener à la maison. Madame, j'ai la conseillère à la sécurité nationale en ligne pour vous. Transférez-la sur mon téléphone. Ce n'est pas un appel téléphonique. Le renseignement hollandais affirme que quatre Américains ont fait sauter une bombe il y a 2 heures à Amsterdam. J'ai examiné les profils des suspects et tout laisse supposer que ce sont des agents américains. Mais avant que je demande s'ils sont sous les ordres de l'un d'entre vous, laissez-moi vous rappeler que c'est une simple question de temps avant qu'ils soient appréhendés. Et si un agent américain était pris en train d'espionner un de nos alliés, les conséquences pour votre agence seraient d'une immense gravité. Très bien. Quelqu'un veut-il signaler que les suspects sont ses agents? La CIA n'a aucun lien avec ces individus. La DIA n'a aucun lien avec eux, madame. La NSA n'a aucun lien avec eux. Le point d'exfiltration est au coin de la rue. Où ça? Je vois pas l'hélico. Donc à moins de monter à bord d'un appareil invisible, on est au mauvais endroit. Non. On est précisément aux coordonnées que Mathieu a envoyées. Alors peut-être que le pilote est en retard. Ça, j'en doute. Le pilote savent qu'on cadre tard des agents majeurs. C'était quoi ça? On dirait bien que j'enterre comme HS. Ici Dalton, 7652 Longhorn. Plus d'accès, plus d'intercom, pas d'exfiltration. On a été désavoué. Désavoué? C'est aussi mauvais que ça en a l'air.
Par rapport à ce qui vous est arrivé au Caire, vous diriez... Ça n'a rien à voir. Là, je dirais que Phoenix nous a complètement abandonnés ici. Mathieu a coupé tous les liens. Donc on est tout seul dans un pays où tout le monde nous prend pour des terroristes et personne ne viendra nous aider. Mais c'est ça. Je reviens pas que Mathieu nous laisse être capturés. Je vais en prison. Phoenix a 44 autres agences de couverture à travers le monde. Si elle nous soutient, ça pourra mettre leur vie en danger et exposer l'agence. Mathieu a dû nous désavouer ses protocoles. Et c'est quoi le protocole pour être réavoué? J'en sais rien, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, moi aussi. Ceci dit, je connais un type qui a été désavoué. Il a croupi au fond d'une prison chinoise pendant 4 ans et il est toujours pas revenu. Il a fini par atterrir à Shenzhen et maintenant son boulot c'est de faire la queue dans des files d'attente pour d'autres gens. Ah bon, c'est un boulot ça? À Shenzhen, ouais. Donc on risque de jamais pouvoir rentrer au pays? Mais on est censé faire quoi? Eh ben pour l'instant, pas rester dans la rue. Après on pourra s'occuper du reste. Attendez, passez vite, attendez. Je crois que je connais quelqu'un qui peut nous donner un coup de main. Salut chérie, comment ça? J'étais ici il y a 8 ans sur une mission d'infiltration pour la CIA et ma couverture. Comment t'as pu me faire ça? J'ai eu tellement peur que je croyais que t'étais mort. Je sais, chérie, je sais, je comprends, je vais tout expliquer. Est-ce qu'on peut entrer et discuter une minute? Tu crois pas que venir ici c'était un plan foireux? J'en sais rien, en tout cas, elle a pas l'air contente de me voir. C'est qui ces trois-là? Buzzer, et il est super cool, c'est notre technicien. Riley, c'est la styliste, et celui qui joue les charmeurs, avec ses beaux yeux bleus, c'est notre mannequin, Mac. On pourrait entrer et parler du bon vieux temps? S'il te plaît. Oh, t'es magnifique. Oh, hé, écoutez, je suis un photographe de mode vivant à Miami. Vous êtes mon équipe, j'ai horreur des huîtres et je m'appelle Brice Villanova. Pigé. Abris-toi, Brice. Tu t'es bien foutu de ma gueule? Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu vois, un matin, je suis sorti prendre un petit déjeuner et j'ai continué à marcher. Oui, bien sûr, t'as continué à marcher. Tu t'es pas dit, je vais rentrer chez elle, non? J'ai un peu peur d'avoir trop de sentiments pour toi, Jen. Mais tu sais ce que je ressens pour toi, ma puce, tu le sais. Je sais qu'on a été lâchés par notre gouvernement et que tout le monde nous prend pour des terroristes, mais... Ça, c'est super génial. Ouais. Je tiens le coup. Pour l'instant, ça n'atteint pas encore, mais... Lui, il est profondément affecté. S'il savait qu'on est ici, il serait déjà arrivé. Je me sens un peu bête. Je voulais seulement savoir ce que c'est d'être un héros. Mais ça, c'est pas comme dans les films. Non. Mais c'est une bonne chose. Ah oui, pourquoi? Parce que dans un film, la fin est déjà écrite. Alors que dans la vraie vie, si on reste calme et qu'on réfléchit, on peut trouver un moyen de tout résoudre. Enfin... Jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. Bon, je crois que ça va. J'ai pu arranger les choses avec Jen. Dégage! Enfin, disons, une bonne partie, au moins. Je la comprends, Jack. Ouais, je sais que j'aurais dû lui dire que j'étais un espion américain il y a des années, mais ça aurait servi à quoi? Mettre sa vie en danger? Au lieu de ça, tu lui as menti, t'as couché avec elle et t'es parti au moment où ton job était terminé. Tu veux une médaille pour ce résumé des faits? Et quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Raison. Il est arrivé ce qui est arrivé, ok? Attendez, je vois personne faire la morale comme ça à James Bond. J'ai simplement croisé une licorne au cours d'une mission et je l'ai attrapée. Et tout à coup, je suis un affreux George Clooney. Clooney est marié à une brillante avocate. Ouais, mais il a sauté sur un tas de nénuphars avant de s'installer sur celui-là. Alors mon passé, c'est du passé. D'accord? On fait quoi maintenant? Je crois qu'il faut s'enfuir. Nos empreintes sont dans le van et la seule preuve de notre innocence a été détruite. Tu veux tout abandonner? C'est mieux que la prison. Surtout une prison hollandaise. Manger du hareng pendant 20 ans? Non, merci. Bah, je déteste le hareng. En plus de ça, tout le pays nous prend pour des terroristes. Allez, on se barre. Non, 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 pas tout le pays. On a besoin qu'Olivia Prior admette que c'est elle la coupable. Comment? Sans l'aide de Phoenix, même mettre un téléphone sur écoute, c'est risqué. Bon, alors on devra la voir et lui parler en personne. Oh ouais, ça a l'air bien moins risqué. C'est un membre du Parlement. Comment on pourra réussir à l'approcher sans se faire repérer? Va falloir empêcher les caméras de voir nos visages. Attends. À ton avis, Brice, tu crois que cette licorne a gardé tes vieilles affaires? C'est qui, Brice? De quoi? Magnifique. Hé, trouve ton appareil photo. Ouais, d'accord. Thank you.
L'être humain ne voit que le spectre optique de la lumière. Les caméras voient en plus le rayonnement infrarouge, ce qui leur permet de prendre des images en basse lumière et de nuit. Donc avec plusieurs LED prélevées sur ces télécommandes et fixées sur les branches de quelques-unes des paires de lunettes de Jen, les Hollandais devraient voir des étoiles. De quoi j'ai l'air? T'es éblouissant. Ok, ça va trouver la reconnaissance faciale, mais combien de temps avant qu'ils remarquent sur les écrans 4 personnes avec des halos à la place du visage? Pas longtemps, c'est pour ça qu'il faudra agir vite. Ouais, bon, c'est pas trop le style que je préfère habituellement, mais je vais faire avec. Je viens pas avec vous, c'est ça? Ça pourrait vite mal se passer. Mathie t'aurait jamais envoyé sur cette mission si elle avait su comment ça tournerait. Oui, je suis là maintenant. Tu vois, je veux dire, si les choses se passent mal, et si vous y allez sans moi et que vous revenez pas... Au moins, tu auras la vie sauve. Promets-moi de m'écouter cette fois, et de rester ici en sécurité. Ouais, ok. C'est promis. Merci. Bon, on dirait que tes petites lunettes sont efficaces. Pas d'alerte, pas de flic. Le front ouest est dégagé. En fait, le front ouest est à environ 400 km d'ici. Quoi? Je crois que c'est pas vraiment le moment pour un cours de géographie. Non, pas vraiment. J'indique à Riley que la voie est libre. Très bien, Olivia. Tâchez de pas être en retard aujourd'hui. Désavoué, hein? Ouais. C'est pas le mot que je préfère. Je sais que ce boulot durera pas éternellement, mais j'ai toujours cru que je serais abattu ou touché par un missile ou je tomberais dans un réacteur nucléaire. Un truc qui me permettrait de finir en beauté. Mais que ma carrière s'arrête comme ça, c'est... Sérieux, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant et c'est temporaire. On va arranger ça. Ici, on peut pas. On a vraiment connu pire. Riley est livrée à elle-même depuis ses 16 ans. C'est Bowser qui m'inquiète le plus. S'il lui arrive quoi que ce soit, je me le pardonnerai jamais. Non, hé. Je suis sûr qu'il tient le coup. Mathilde l'aurait pas envoyé ici s'il pouvait pas se débrouiller, tu le sais. Elle ne connaît pas depuis aussi longtemps que moi. Et tu dois changer ta façon de voir les choses, d'accord? Il a traversé un tas d'épreuves ces derniers mois. C'est plus le même vieux Bowser, c'est un nouveau Bowser. Il pourrait te surprendre. Il pourrait surprendre chacun de nous. C'est difficile de te prendre au sérieux avec ces lunettes de soleil. C'est vrai. Allez, essaie quand même. C'est le signal. Elle refait ses lacets, Prior arrive. Allez. Mais ça le tente. Ça y est, elle arrive. Arrêtez ! Salut Olivia, content de vous revoir. Allez-y, démarrez. On était là, Olivia. On vous a vu. Admettez que vous étiez dans le coup. Je ne savais pas qu'il y avait une bombe dedans. En tout cas, pas avant d'ouvrir ce sac, je vous le jure. C'est bon, arrêtez Olivia, la CIA sait déjà que vous travaillez avec des terroristes. Quoi, des terroristes? Non. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je suis allée là-bas uniquement à cause des photos. Quelles photos? Il y a quelques semaines, on m'a envoyé des photos de moi avec un autre homme. Essayez de comprendre, je tiens beaucoup à mon mari. C'est à cause de ça que vous avez été manipulée par des terroristes? C'est la vérité. Il voulait mettre les photos en ligne si je ne faisais pas exactement ce qu'il me demandait. Regardez. Ils m'ont dit d'aller dans ce café et j'ai fait. Je croyais qu'ils allaient me demander de l'argent. Je croyais qu'ils allaient me dire de voter contre le prochain référendum. C'est pour ça qu'elle est allée dans ce café. Ce que Mathie nous a dit et toutes les infos de la CIA étaient fausses. Ok. J'ai vu les photos, je veux bien vous croire. Et vous devez aller voir la police et leur expliquer comment ça s'est passé. À la terrasse du café, un serveur est venu me voir et il m'a donné le téléphone. L'homme en ligne m'a dit, prenez le sac dans la jardinière, marchez dans la rue avec et dès que vous vous apercevez que vous êtes suivi, lâchez-le et courez. Attendez, dès que vous êtes suivi? Oui. Donc l'homme au téléphone savait qu'on se trouverait là. Donc les infos de la CIA étaient fausses et je crois savoir pourquoi. Pourquoi? On a été piégés. Attends une minute. Ça voudrait dire que quelqu'un a manipulé la CIA et nous a servi cette mission sur un plateau. Mais qui pourrait faire un truc comme ça? Quand cet homme vous a contacté la première non, fois au sujet... Non, ce n'est pas lui que j'ai eu la première fois. Le premier appel venait d'une femme. Elle a dit il s'appelait Pop. Pop? Mm-hmm. Quoi? Comme Pop Art, Pop Rock, un truc comme ça? Je ne crois pas que c'était une référence artistique. C'était autre chose. En néerlandais, ça veut dire chrysalide. Chrysalide? Vous êtes sûr? Affirmative. Patricia Sand. Qui est-ce? Jusqu'à il y a quelques mois, avant qu'elle soit arrêtée pour trahison, notre patronne.
la petite vieille lunette. Mmh. Chrysalide, la petite vieille lunette. Dites-moi, Vincenzo, pour vous, c'est quoi la qualité? Ah bah non, ça, c'est pas là-dedans. La qualité, c'est faire attention aux détails, même invisibles. Je t'endors. Oui, je m'endors. Pas mal, hein? C'est ça, la qualité italienne des canapés 100% fait main. Découvrez-la avec la remise de 70% sur la collection avril. Faites vite, dernier jour lundi 30 avril. Poltrone sofa, artigiani della qualità. Et voilà. Essayez de donner des directions quand on ne parle pas. Là, tu vas où? Me coucher. Ok. Des réductions immédiates dès à présent. Et une gratuite pour profiter. Non! Ça fait que 36 minutes que je suis en live. Il y a des mecs pas très nets qui tournent autour de ta voiture. Oh, c'est un peu chaud là. Attends, pas très net comment? Si tu la déplaces pas, tu rentres en métro. Récré dans ma veste. Pardon. Vers boulevard de la Reine. Parce qu'une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Roulez surclassé avec la 208 style à partir de 109 euros par mois. Et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Alors? C'est réglé, c'est tout. Hop, il a pépite là-bas. Bah voilà, bah tu l'as réveillé. Ça va même pas, papa, il est dehors. 3600. Ah, il était rentré. Vous avez tout essayé. Bah, maintenant, t'as été, on veut que du noir. Endormissement, diminution des réveils nocturnes, sommeil en bulletin. Confiez vos nuits à Novalis. Francesco Mutti met ses tomates en conserve en moins de 24 heures. Et si la récolte n'est pas parfaite, alors dans cette boîte, il n'y a rien. Solo pomodoro, solo Mutti. Tu n'oublieras pas ton portable. Il s'adapte à votre lingerie quotidienne pour que vous ne sentiez rien. Ah ouais, même couleur que Game 13 et cheveux. J'ai décidé de créer comme j'aime. Il y a 7 ans. Même couleur. C'est tout sauf un régime miracle. On mange normalement. C'est ça. En fait, et on a des coachs qui vous aident à prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Avant de faire comme j'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos de comme j'aime. Alors testez cette semaine. Les gars, rejoignez-moi sur... Bah, en fait, je vais continuer le live sur le téléphone. Et rejoignez-moi sur Play. Jules rapporte chez lui le canapé qu'il vient d'acheter. Rejoignez-moi sur mon live que je vais faire sur Play. Je sais pas si je vais le faire sur FIFA ou sur Fortnite, je ne sais pas. Je vais...
Ça fait que les gars là je balance un live sur Fortnite. Et comme c'est... On dit aujourd'hui, je vais juste chercher mes lunettes. J'étais sûr d'avoir posé mes lunettes en haut dans mon champ, mais elles sont pas. Ça me saoule. Ou alors je prends mes anciennes lunettes. Chocolat.
les gars, Fortnite. Mais c'est pas nous le chocolat qu'il y a. Hein? Le chocolat qu'il y a, ben, y a là-bas, c'est pas nous. Ah oui, c'est pour nous. Ça fait que les gars qui ne Twitch. Fois que je joue avec un skin Twitch, les potes. On n'y a plus pas vu qu'après ça a cassé. Oh putain, il y en a plein qui voient là. En même temps, c'est la plus grande ville du jeu. C'est pour ceux qui savent jouer ici. Si pas joué, tu te fais éclater. Ok. Oh, les sons. Ok, les potes, il y a quelqu'un. Non mais pour toi j'ai tiré. De toute façon c'était un gros campeur, il campe en bas. Comme il y a 1200 debugs, on va pas l'user. Tiens, c'est la nouvelle lien. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de pioches. Il l'a pas, menteuse il l'a pas, ça ne plus, ça ne plus, ça il l'a pas. C'est quoi ce skin? Wow. Festio, allez. Ouais, tout, il n'a pas ce truc de ce groupe, non. Mais même. Il m'a mis son compte sur ma play. Si je jouais dessus, je ne vais pas lui user ses V-Bucks. Je suis pas un gros bâtard qui fait ça. Ouais, je respecte les gens, ils mettent des sous sur un jeu. Tu n'utilises pas les V-Bucks.
Hôtel, vas-y. Il est beau planeur. Non. Oh, Escar. Pour la poche. Bon. Il manque juste le petit snipe. Mais merde! J'étais en train d'essayer de prendre le fort de poche, je sais plus si ça l'a mis sur mes construits. Je me fais chier. Les fèves recherches sont pas dégueulasses. Les chips, quoi de sel. Salmonné. Trop bon. Oh, ça serait trop bien si je serais en partenariat avec Powerade. Et si je suis en partenariat avec Powerade, et bah toi je pourrais avoir des Powerade. Bah, je pense. Et puis le sponsor, bah, faut bien les choisir. Je sais pas comment on fait pour avoir des sponsors. Vas-y, je vais rejoindre leur mère. Ah, une merde, c'est par mon compte. Oh, mais attends, moi je termine ma game. Wesh.
Ok, il est parti. Bah, du moins, je crois qu'il est parti. Tu fais quoi là, tu joues ou tu... Mais je vais danser une partie vocale d'un pote. Je vais voir si il en a une. Bonjour ou quoi? Mais attends, je suis obligé de l'inviter. Et comme Evan a trop d'amis, bah j'ai pas envie de chercher. Je me suis pas fait tuer. Wow! C'est roche! Ah, c'est fake, putain! Ah ouais! Ah! Mais il est trop loin, je pourrais pas là-bas. Ah mais merde, c'est vrai, je suis en... sur le vaisseau. Ils sont souvent les petits robots. Il arrive.
Lui, je vais chercher. Non, j'avais mis l'eau. Attends. Ça doit pas être lui, ça doit être un autre. Quoi? Tu veux bien ça? Non. Tu es sur la table. C'est pas dégueu, c'est bon. C'est quelque chose qu'il faut que je m'améliore dans mes fights. Le gars, je vais enlever tout son shield. Je vais enlever tout son shield au gars. Il me manquait encore une balle de pompe dans la tête. Et le gars, toi, il était mort. Là, si je me permets de jouer sur son compte, c'est parce qu'il est super, parce qu'il y a une mouche. Ça fait que c'est pour ça. Là, je fais juste quelques games sur son compte. Prends la gueule, ça me saoule. Ouais, ça me saoule pas. Quand j'ai tant des grenades comme ça, tu peux tuer des gens. Allez, mets le KO. Allez, enlever les grenades. Ça, en 5 secondes, ça pète. En tout cas, je sais pas s'il y a quelqu'un. Voilà. Pour l'instant, je vois personne. Je crois qu'il y a quelqu'un. Hein? Je crois qu'il y a quelqu'un.
Je vais entendre un truc. Monsieur, je suis dans une... Ouais, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Wesh, il est sérieux. Mais shit, tu peux pas rentrer. Hop là, Mikao. Merci. Par contre, le petit, il m'a quand même fait mal. Attends. Ah, tu vois, mais je suis en game. Je lance le kit maintenant, voilà. Là, je vais pouvoir prendre mon lance-feu. Voilà. Attends. Ouais, Jimmy, c'est Seb. C'est Sébastien Pastoc. Ça fait que je t'invite juste après ma game, ok? Attends, je regarde si ça parle bien. Ah, Jimmy! Ah, sinon, ça parle. Ouais, salut. Salut. Mais c'est son papa. Ça fait que c'est pas Evan, mais c'est un pote à lui. Ok. Allez, c'est juste pour prévenir, tu vois, que tu t'inquiètes pas. Ouais. Mais juste prêter son compte sur Play pour ça. Ouais. Tu voudras faire des games après avec un de mes potes. Vu que moi après moi je joue avec un pote à moi. Sur quoi? Quoi? Sur quoi des games? Fortnite. Ouais. Ok. Après moi et je suis. Après tu vas où t'as dit? Non mais là je suis déjà sur Fortnite. Moi. Bah, il faut que je t'ajoute un ami alors si tu veux qu'on le fait. Ah, parce que Evan, tu l'as pas en ami? Non.
Si. Bah, si tu veux, moi, mon compte à moi, c'était Sébastien Pastoc. Tu sais comment je peux te monter? Je vais sur la partie vocale, puis c'est tout. Ouais. Bah, normalement, tu regardes. Attends. Ouais, ouais, c'est Sébastien. Ouais, c'est le premier. Ça fait qu'en fait, j'ai ouais. démarré avec, mais. Et après, je suis allé sur le compte d'Evan. Tu me dis que t'as reçu l'invitation. Bah, en fait, là, je suis sur le compte d'Evan, c'est pour ça. Ouais, j'ai quand même reçu. Attends, je vais voir. Non, je peux pas l'accepter pour l'instant. Ça fait qu'attends, je vais devoir être obligé de faire un petit détour. J'espère juste que ça n'a pas enlevé du compte là. Alimentation. Et les copines dans le chat. Ah, c'est bon, c'est. Alors. Ah, mais que tu l'as dans le chat. Ouais, vu que j'ai un pote, il a cassé son micro. Quoi? Evan? Bah, en fait, je préfère, c'est moi sur le compte d'Evan. Ouais, j'ai compris. Vas-y, je t'attends. T'as un gars? Ouais. Ah, non. Je pense que ça m'a pas coupé. Ouais, là, je suis top 19 déjà avec un kill sur le compte d'Evan. J'espère que j'ai. T'as pas fini? Dès que j'ai fini, je t'invite. Je vais essayer de lui faire un petit top 1 là. En plus, j'ai un snipe semi-auto dans ce grenade. Quoi? T'as fait combien de top 1? En duo, j'en ai 3. En solo, j'en ai 1. Et puis. En section 11. Ouais, en section. Ouais, bah non. Après, Evan, sur son compte là, je sais pas si lui en a plus que moi. Mais il est quand même meilleur que moi. Ça faut le dire. Pour l'instant, je fais une partie, je t'attends. Ouais, vas-y, pour l'instant, fais une game. Je suis en solo. Ok. Ah, moi, là, je fais du solo Bezio. Quoi? J'ai la tenue de bambou. En fait, t'as pas de skin? Bon, ouais. Mais t'inquiète, je suis fort. Oh! Oh, putain! Ah, Jimmy? Jimmy? Ah, Jimmy? Jimmy? Allô Jimmy. Je sais pas si c'est mon pote Jimmy. Qu'est-ce que c'est de ce bordel? Dans un camion près de tête, t'as deux fusils d'assaut. Ça n'est pas logique. Il y a eu un fight. Ça se voit la remorque qu'elle a vu. J'espère que ça marche, j'espère que ça marche. Oh. Jimmy. Allô, oh. Jimmy. Oh. Jimmy. C'est Van. Allô, c'est Van. Non, c'est un pote à lui qui a son compte. Ça fait que voilà, c'est juste pour prévenir. Est-ce que tu peux m'en parler? Quoi?
Il y a deux secondes, je vais lui parler. Un bon souci, on va en face. Mais ça, c'est pour aller dans la zone. C'est des gens qui ont fait ça. Moi, je cherche pas kill, moi, je cherche top 1. Et pour faire un top 1, faut être concentré. Top 10. Sébastien? Ouais. En fait, je préfère Evan. En gros, c'est mon pote Evan. Même dans la vraie vie, moi, je le connais. Et il m'a prêté son compte. Il l'a mis sur ma play. Ah, d'accord. Ok. Ça fait que c'est pour top ça. 10, là? Quoi? Ouais, top 10 avec un kill. T'en prends combien? Je suis en top 10 avec un kill. Ok, j'ai un loot. Ah, c'est bien. Comme j'ai un drop. J'ai demandé une hour. Ouais. En fait, je préfère. Moi, je suis pas sur mon compte, je suis sur le compte d'Evan. Ouais, j'ai compris ça. Vas-y, je te me barre au bar 2. Bah moi en fait moi je préfère ma quoi elle est pas si puissante. T'as eu un moment, je te demande. Ouais je sais vu que j'ai reçu la vite. Mais ma quoi elle est pas si puissante, désolé. Ou le squelette légendaire. À la zone t'allais par là bas et bon on va y aller à cette zone. T'es un peu fini là Sébastien? Non, je suis en top 9. Ah c'est bien. Ouais bah je vais essayer de lui faire un petit tapin vu que lui il est plus fort que moi Ivan. Ça. Là, je me reprends du bois, tac. Wow. Calme-toi, toi, avec ton lance-roquette. Sébastien, t'es en solo, là, ou pas? Solo VSO. Wesh! Il est sérieux de jouer lance-roquette lui? T'es mort? Non. Attends. Oh non, je suis. Votre place 6ème, je suis mort à pute avec un kill. Ah, fait chier. Oh, vas-y, moi j'arrête mon live sur mon thème, voilà.